Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sage les simples. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. La crainte qu'il inspire est pure, elle est l'art pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur, qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts et lui dit « Suis-moi !» L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à la table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Les scribes du groupe des pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les publicains, disaient à ses disciples, « Comment ? Il mange avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »